Salut les amis, ravi de vous retrouver avec cette magnifique vue sur la baie de Morlaix à Carantec dans le Finistère. Je vais retrouver Patrick Geffroy, un chef doublement étoilé. Patrick fait une cuisine iodée et raffinée. Voilà qui devrait se marier parfaitement avec le saké. Patrick nous attend, il est juste là. Bonjour chef. Ah, bonjour Sophie, très bien. Ah très bien. Oh, qu'est-ce que c'est beau là quand on arrive chez toi. Puis alors là, t'as le choix là pour trouver poissons et fruits de mer. C'est, pour moi c'est le paradis. Qu'est-ce que tu prépares alors aujourd'hui? Des magnifiques ormeaux, des girolles, des échalotes du pays, de l'ail de l'année et du saké. Et la girole alors, on va la préparer comment? On va la couper en quatre. Okay. Voilà. Très bien. Je fais comme toi. Ouais. Et qu'est-ce que va apporter le saké à ton plat, alors? Ben, surtout celui-là, il va apporter quelque chose de très parfumé, de très floral. C'est un riz qui a été poli à 60%, donc il y a une grosse concentration de parfum. Bon, ben maintenant, je vais poêler mes girolles et ensuite les ormeaux. Ouais, juste poêler. Ah, c'est parfait. Je vais chercher les assiettes pour le service. Ouais. L'assiette arrive, formidable. Tout simplement, hein. Ah, mais c'est ça qui est bon. Voilà. Ça sent bon. Et on y va, là? J'ai hâte de goûter ça avec toi. Ah. Tout chaud, les ormeaux. Parfait. Ça se marie parfaitement, hein. Excellent. Quand c'est un plat comme ça, un petit peu beurré, avec un saké de cette qualité. On est dans quelque chose de très soyeux. Le saké, ça va arrondir les parfums. Et le saké est intéressant pour les produits marins, comme ça. Toujours, ça vient un petit peu atténuer la puissance marine, tu vois. Voilà, c'est formidable. Je rencontre multitude de clients qui se disent « Ah non, le saké, c'est quelque chose qui est très fort, qui fait 40 degrés. » Pas du tout. Un saké, c'est entre 12, 14, 18 degrés maximum. Je pense que les Français, quand ils vont comprendre le plaisir qu'il y a à travers ce produit, ils vont vraiment... L'adopter. Ah oui. À ta santé, Kampai, mon cher Patrick. Kampai. Merci. Merci pour ce voyage iodé et raffiné, amis curieux et gastronomes voyageurs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte culinaire autour du saké.